On va les libérer les deux là-bas. Ah bah puis c'est bon. Sérieux quoi. Bon. Et puis il va y avoir encore l'autre qui va nous agresser sans raison là. Parce qu'il est buggé. En fait, à la base, j'ai pas compris par où fallait passer, hein, mais tant pis, on va réutiliser la même méthode, hein. Ours de mes deux. Oh, mais autrui, c'est moi utiliser une. Putain de monture. Ah, t'as de gueule. Allez, et si je tombe là? Bon, pas là exactement, mais dans le coin, quoi. Putain, puis vas-y, gros sac à PV là, dégage! Putain, je te jure, les sacs à PV comme ça m'énerve. Je suis en train de me dire un truc. Vas-y, occupe-les. Crachez le morceau. Écoute. Il y a eu un incident sur le rempart, mais la garde d'honneur de la Créalite s'en est occupée. Yeah.
Ouais, faut que j'en profite pour me régénérer là, parce que. D'accord, ok. C'est pas ça que je voulais, c'était ça. Et après ça, tu passes en passif, hein, parce que... Bon, je le remettrai en actif s'il y a du grabuge. Quête à rendre. J'espère que c'est important. Allez, Oust. Il y a un bug, non? Il y a un bug. On recommence. Putain, je devais recommencer. Oh putain, je vais devoir tout refaire. Casse les bonbons. Oh, c'est chiant. Bon, alors, excusez-moi. Pour simplifier, parce qu'il y a eu une coupure, je suis mort et mon PC a complètement crashé. Du coup, ben, j'ai dû tout relancer. Mon PC, j'ai dû faire un forçage, un arrêt forcé. Redémarrer, j'ai relancé OBS, j'ai relancé WoW, j'ai terminé la quête du coup, et là on se retrouve. Donc, sachant que quand je suis mort, quand je suis revenu sur le jeu, mon corps avait disparu. Donc, cimetière, mal de résurrection, voilà, la totale quoi. Donc j'ai dû attendre 10 minutes que mon mal de résurrection passe, faire la quête, et ça y est, je m'en vais donc discuter avec la nana là pour. Prendre la quête. Ok. Vous avez... Il y a eu un incident sur le rempart, mais la garde d'honneur de la Créalite s'en est occupée. Oh, merci, infiniment. Merci. Crachez le morceau. Ok. Elle... Courbe. On dirait qu'il s'est fait coincer par les gros bras. Ok.
Donc. Ah non, 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 ok, excusez-moi, c'est parce qu'il y a eu. Vous avez le droit d'être en Ravendress, vous? Ok. Bon, notre client s'est fait embarquer direction la grande moulinette. Pas de panique, je sais comment le sortir de là. V'là le plan, on se faufile à l'intérieur comme si on faisait partie du personnel. On trouve notre votre élan, on évite de croiser le regard des crocs et on se taille d'une sortie comme le faisant. Comme le feraient des maçons pigés. Rendez-vous à l'endroit indiqué par Férule. Et fondez-vous dans le paysage. Méfiez-vous bien les crocs. Ce n'est pas par hasard qu'ils terminent ici. Ah, du coup, je sais pas trop. Ouais, on va passer par là. Oui, on va. Je sais pas trop en fait. On va essayer de monter, on verra bien. S'il faut redescendre cette fois-ci, j'oublierai pas ma pierre de résu. D'ailleurs, je devrais la mettre maintenant. Ah, bah oui, du coup. Putain. Ouais non, c'est juste un creux, je peux pas aller au-delà de ça. Bon. À partir du principe de monter pas enfin de passer par là. Eh, je peux passer entre les deux anneaux là? Ouais, je peux passer. C'est étendu, mais ça passe. Putain, toi dans le genre relou, t'es relou, toi. Ok. Vous êtes en retard. On a de l'anima à extraire et la créalite est occupée. Allez, au boulot, et plus vite que ça. Bon, d'accord, on y va. Je vais me mettre en position pour être prêt à attaquer si ça dégénère parce que je m'y attends. Vous avez un boulot pour moi ? Je trouve votre présence très vivifiante. Ben, il faut les confronter à ce qui leur a valu d'atterrir en Ravendress. Racontez-moi vos turpitudes par le menu, ou sinon... Jamais. Salut! Qu'est-ce que quelqu'un comme vous fait dans un endroit pareil?
Bon, qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça devrait être intéressant. C'est quoi que vous cherchez? Sueur ou douleur? Surveillez toujours le ciel. Eux vous ont bien à l'œil. Ah. Vous avez pas le truc. Ici, c'est une histoire de colère. De rage. Je vois. Oh, rage. Oh, vils brigands. Oh, drust tueur de bosquet. Oh, gorne boulotteur de décor. Non, leur colère, pas la vôtre. Oh. Oui, c'est plus logique vu comme ça. Ah ouais. Compris. Quel plaisir de vous revoir. Bien. Parlez-moi de votre mère. Elle était tout pour moi. Et elle a été assassinée sous mes yeux. Bigre. Est-ce que ça marche? Continuez. Est-ce que la mort de votre mère vous a mis en colère? J'ai souffert toute mon enfance. J'étais seule au monde. T'as la psychanalyse, quoi. C'est plus ce qu'il nous faut. Et diriez-vous que c'est sa disparition qui vous a fait basculer dans la violence? Peut-être bien. Je ne... Oh ah. Que vous ayez la mort d'autres mères sur la conscience? Je... Oui, c'est vrai. Ah, voilà qui explique bien des choses. Ça fut une séance très productive. Déjà fini? Impressionnant. Oh putain, quoi. Freud, quoi. Quoi? Et que je vous... L'intrus? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? On est l'équipe de nettoyage. Et il y a du boulot. Les interrogatoires, c'est salissant. Ça, vous allez pas avoir le temps de vous ennuyer. La créalite a piqué une de ses crises. Ok. Veuillez m'excuser, vous avez... Catastrophe! Il faut nous hâter! L'appartement 1 a été emmené autre part... par un nul autre que la créalite en personne. Chercher des traces de son passage, avec un peu de chance, sa piste nous conduira jusqu'à notre ami. Dites-moi, vous savez faire pour une fée follette? Oh, la mort de la mère, tellement cliché que c'en est consternant. Ouais, c'est pas faux. Bah allez, bah on se tire alors. Excusez-moi, je devais éternuer. Partez immédiatement. Bon, par chance, on a quelques secondes hein, quand il nous repère. Eh
Oui, donc quand il nous repère, parce que je me suis fait avoir, on se fait juste têche du château, hein. Il nous attaque pas, on se fait juste virer. Là, pour flipper comme ça, la créalite a dû lui passer un sacré savon. Crachez le morceau. Vous avez fini. Elle a menacé de le jeter dans l'antre. Mieux vaut lui que moi. L'antre? On a intérêt à se manier si on veut sauver ce pauvre type. En piste! Ouais, bah s'il est dans l'antre, on peut le toujours récupérer. Ok, bah let's go. Oh, 117 corps. C'est pas trop fort, ça devrait le faire. Je vois qu'elle a un sort actif, c'est quoi? Pas à vous tromper. Nous venons de Sylvarden. De Sylvarden? Que faites-vous en Ravenpress? Nous recherchons des guerriers de la nuit passés de l'autre côté du voile. Expliquez-moi tout. Bah, elle a été... Les vivants n'ont rien à faire ici. Je veux bien vous aider, mais la colère des lunes ne sera pas facile à apaiser, sachez-le. Vous allez bien vous amuser. Il faut nous ôter de regagner Sylvarden. Partez devant et allez retrouver Ysera. De mon côté, je vais... escorter la créalite et veiller à ce que Ella rentre à bon port. C'est toujours un plaisir. Tout ça pour un quiproquo, quoi. Bon, et toi, là, tu... Vous visez toujours juste. Oui, oui, je sais. Bon, bah, c'est bien tout ça. Donc, Sylvarden. Eh ben vous savez quoi? Ça sera pour la prochaine fois. Ouais, en soi... hop. Je vais me poser quelque part par là. Voilà. Petit coup de pierre de foyer. Je rentre à Satra. Et nous nous retrouverons en Sylvarden lors de ma prochaine session de tournage. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais pour vous... de toute façon, vous avez du contenu entre deux, donc voilà. Moi, je tourne ces vidéos-là en avance. Donc, voilà. Allez, à la prochaine. Juste avant de nous quitter... Sans déconner. Elle est pas magnifique, Satra. Allez, plus tard.
pour moi, à tout de suite pour vous. Je suis dégoûté. Bon, eh ben surprise. Putain, je l'avais enregistré et mon OBS a planté. Je suis dégoûté. Bon, ben voilà. Donc, je reprends, je réexplique. Je sors de 2 mois de panne de PC. Donc, sachez que pendant 2 mois, je n'ai pas pu jouer. Mais j'avais des vidéos en stock. Hein, donc, j'avais de l'avance dans les vidéos. Donc, vous n'avez rien vu. Mais moi, ça fait 2 mois que, bah, du coup, je n'avais plus de PC. Du coup, mon PC, mon Asus ROG G750JH est passé aussi sur SSD. En plus de remplacer les pièces défectueuses, j'ai remplacé les disques durs. Donc voilà, j'ai réinstallé Windows 10, on est bien. Et du coup, j'avais les 5 millions de PO, grâce notamment à Zari, qui m'a dépanné de 2 millions de PO, pour m'acheter le Brutosaur. Voilà, après 4 ans de farm, je l'ai enfin. Et j'avais pas vu qu'il... Oh, il est stylé. Bon, il est stylé quand il tourne le cou comme ça. Voilà, du coup, j'ai le Brutosaur avec surtout l'HV. Avez-vous des antiquités à céder ? Je collectionne des objets de plus de 2 siècles. Voilà, l'HV qui est... voilà, du coup, ben, c'est con, j'avais lancé l'enregistrement pour Kazuldazar. J'avais tout lancé bien. Et puis là, ben, ça... Malheureusement, l'enregistrement a buggé. Du coup, bon, voilà, je l'ai acheté, puis voilà, je l'ai. Du coup, nous sommes en Sylvarden, j'ai rendu la quête et du coup... J'appartiens au rêve. Je relis cette quête, du coup, hein, je me suis aperçu que ça avait buggé juste après avoir lu cette quête. Donc, je reprends. Par contre, j'ai l'impression que le texte est un petit peu flou. Est-ce que je peux résoudre ça très rapidement ? Il y a un truc sur le... En fait, faudrait quasiment... Ouais, là, ça me paraît moins fou. Mon long sommeil. Ouais, là, c'est mieux, c'est plus lisible. Là. Même si, du coup, j'ai toute l'interface qui prend un peu plus de place. Ouais, c'est pas grave. Le temps de Tyrion est compté et nous devons réagir au plus vite. Il sera froncé sourcil d'un air inquiet. Nous espérons rassembler davantage de guerriers de la nuit, mais nous allons devoir nous contenter de ce que nous avons en espérant que ce soit suffisant. Isara secoue la tête avant de reprendre un air déterminé. Avant de commencer, nous devons terminer les préparatifs du rituel. Prenez les derniers objets manquants et rejoignez-nous dans le bosquet. Participez aux préparatifs du rituel. Sylvarden survivra à cette pénurie. J'en fais le serment. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Suis-je bête ? Tenez, elle est bien plus jolie comme ça. C'est acceptable. Allez, continuons. Par ici, je vous prie. Ça va être long. Ça va être long, ça va être très long. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris ce truc là. Hein. Le bosquet de l'éveil.
On va dire que c'est par là. Là, j'ai pas un panneau. Là. Centre confin. Bosquet de l'éveil. Enfin, ça a bugué? Ah, d'accord, ok. Attendez, je devais à mon avis le mettre là. Non? À mon avis, la quête a bugué. On recommence. J'appartiens au rêve. Tout voici comme un à cadeau la de bienvenue de la part de la cour de la nuit. Ce la n'est nuit pas nécessaire, vraiment. Non, suis-je bête? Tenez, elle est bien plus jolie comme ça. C'est acceptable. Allez, continuons. Par ici. Je vous prie. Bon, ben... D'accord, ils ont disparu. Donc il y a des fournitures, mais... Mais ils me disent que je dois le déposer là, mais... Attendez, parce que... Non, parce que là, je suis au cœur de la forêt. Je suis pas au bosquet d'hiver. Du coup... enfin, au bosquet de l'éveil. Du coup, à mon avis, je devais descendre à gauche. Là. Ok, c'est ça. Ok. Là, je suis au bosquet de l'éveil. Ok. Et maintenant? Pas contre un coup de main, n'est-ce pas? C'était tout? Je n'ai pas grande affection pour les héros. Et si, méfiez-vous des politesses. Personne n'échoue ici. Salutations. Nous ne faisons que suivre notre destin. Rien n'est plus important que nos êtres chers. J'écoute les murmures du vent. Ok. Ok, d'accord.
Alors, parce que je sens le coup venir. Attendez, je vais faire quoi de ça? Ok, j'ai compris l'idée. Donc j'ai ça qui est surligné, mais je peux rien en faire. C'est pas très clair tout ça. J'ai lu votre nom sur un bon paquet de stèles fraîches. On va faire dessiner autour de Tyriande. Ou Ravendress deviendra votre destin pour deux. Remplacer. OK. C'est pas très très clair tout ça. Hein. Mon long sommeil est terminé. Alors j'espère que le son est bon. Les préparatifs sont terminés, Tyrnax. Il est temps de nous y mettre. J'espère que le son est bon parce que j'ai dû refaire tous mes réglages de son, mais j'ai des doutes. Donc je verrai bien de toute façon quand j'encoderai la vidéo. J'appartiens au rêve, tout comme à la nuit sans lui. Là je regarde juste un truc. Ok. Attendez, ça, je peux fermer. Ça, du coup, je vais le supprimer. Et donc... Eh ben, ça marche nickel. Ok. Et donc, j'ai bien mes... Attendez. Je vérifie juste. Hein. Je vérifie juste. Cette vidéo, elle dure... 9 minutes, ok, d'accord. Pourquoi elle dure 2 secondes celle-là? Attendez, je mets juste un fichier vidéo. Ah ouais, non, je sais pas pourquoi ce fichier-là dure que 2 secondes, du coup je vais le fermer. Excusez-moi, hein. Hop, je vais le supprimer. Excusez-moi, hein. je gère la technique en même temps. Comme je vous dis. Vous souhaitez me demander quelque chose? Mes réglages sont en cours, hein, donc... Ok, apparemment je dois mettre là... Ouais, je dois me mettre là et puis... Okay. Je me souviens de ce pouvoir. Une épée à double tranchant. On voit rarement une telle rage chez les mortels. Et l'une... Aramashena la Fasiman et Melia Morana. Chandris, tenez-la bien en place. Mindo, par pitié, laissez-nous faire.
Anudolini Ashka! Tyrande, ne succombez pas à la colère. Ashal Tyrandas! Je crains qu'elle ne nous entende pas. Retenez-la ou la rage de la guerrière de la nuit va nous submerger. Aidez-moi! T'es marrant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah. J'ai bien fait d'invoquer mon marcheur. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais! Ah, elle tape quand même, hein! J'envoie un petit peu de... J'ai augmenté un peu plus de... J'ai augmenté un peu plus quand même mes DPS, là, parce que... Sa force des ennemis ne cesse de croître! Elle va la submerger! C'est mal parti! Non! Elle continue à absorber le pouvoir des lunes! Mais alors, pourquoi tu lances pas ton crépuscule? Quand même. Toute cette puissance menace de la ravager. Et tout le bosquet avec. La reine, nous avons besoin de votre aide. Le pouvoir de ma sœur dans ma forêt. J'exige des explications. Oui, bah plus tard. Comment osez-vous venir ici, ma sœur? Après avoir ignoré tous les appels à l'aide que nous avons lancés, quel mépris! J'ai entendu vos appels, ressenti votre douleur. Et suite à cette terrible tragédie, j'ai envoyé un grand nombre d'âmes en renfort. Oh. Le grand arbre, l'antre, s'est emparé de tous ceux qui ont péri. Alors, j'ai condamné mes plus chers enfants. Nous avons le pouvoir de guider leurs âmes vers leur source. À commencer par celle-ci. Tyrande m'a invoqué. C'est à elle de choisir entre vengeance et renouveau. Bon, je suis pas trop fan hein, de tout l'arc Tyrande. Hein. Moi, j'ai du respect pour ce personnage parce que c'est surtout la femme d'Illidan. Enfin, l'ex-femme d'Illidan. Après, voilà, tout l'aspect de nature, tout cet aspect un petit peu écolo, tout ça. Parce que c'est un petit peu ça, hein, l'idée des Sœurs Lunes. Il y a l'aspect de chasse, mais il y a aussi l'aspect tout rapport avec la nature. Qui est pas vraiment mon kiff tout ça, donc voilà. Enfin, qui est pas mon délire quoi. Sylvarden entendra votre appel. Alors,
Ah oui, j'en suis où de mes emblèmes de renom, moi? Je sais même pas où j'en suis là-dessus. Après si longtemps, ma sœur ne m'a pas abandonné. L'esquisse d'un sourire se dessine sur le visage de la reine de l'hiver. Quand son regard revient sur nous, il porte le poids de l'éternité. Suivez-moi, MDJ le Normand, prenez la larme de ma sœur et accompagnez-moi jusqu'au cœur de la forêt. Apportez la larme des sœurs, la larme des sœurs Aïssara au cœur de la forêt. Mère, il y a un temps pour la compassion. Oui, je suis de nouveau moi-même. Attendez, puis... J'ai du mal à croire ce que j'ai vu aujourd'hui. J'étais présente à chaque instant, mais comme désincarnée. Un témoin impuissant, tout comme toi. Sa voix, si belle et si triste à la fois. Et cette larme... C'était la mienne, autant que la sienne. La reine de l'hiver a évoqué un destin réservé aux âmes de notre peuple. Qu'entendait-elle par là? Et l'une ne me l'a pas révélé, ma fille. Pas encore, du moins. Ok. Du coup, oui, j'avais oublié, mais lors de la dernière session de tournage, on avait débloqué le Fly dans quasiment tout l'Ombre Terre. Donc, autant en profiter. Paradoxalement, je peux voler en Ombre Terre et pas Zuldazar. C'est con, hein. Mon long sommeil est terminé. Dans le deuil et la pénurie, Sylvarden a cruellement souffert. Mais ensemble, nous avons sauvé notre royaume des ténèbres. À force de persévérance et de solidarité, l'espoir renaît dans nos bosquets. Et nos cœurs à nous avec lui. Aujourd'hui, le cœur de la forêt recouvre son intégrité. Le cycle est renouvelé. L'harmonie entre la vie et la mort est restaurée. Ce nouveau cachet incarne l'avenir de notre congrégation. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est beau. Bon, on se casse. J'appartiens au rêve, tout comme à la nuit sans lune. Le cycle doit être préservé. Généralement, regagner Corsia et dites au Prima que le cachet de la reine de l'hiver est restauré. La nuit soit avec vous. Je ne me souviens plus où on va pour voir les... Le renom. Je me souviens plus. Là. Renom 80. Ah bah je suis Renom maximum en fait. C'est vrai, j'avais pas dit qu'il fallait que je change pour augmenter de renom ailleurs. Oh c'est pas grave, on va rester chez Eventyr, on est bien chez Eventyr. Ouais, mais ça débloque des tenues. Ça débloque des tenues. Tiens. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs.
Le fly, c'est par là. Bah, le fly. Là, maître de vol. Tous croissons, c'est notre nature. Alors, Corsia, pour y accéder, bah ouais, faut tomber dans l'antre. Putain, c'est bien le nouveau module pour OBS, il est super. Ce que j'avais avant, ça découpait, mais. On a besoin de récolter des glands d'anima, mais il y a des drusts partout. Un petit brin de magie vous aidera à vous faufiler. Ouais. Parce que j'ai rajouté un plugin à OBS qui coupe en fait l'enregistrement toutes les 9 minutes 30. Et le précédent, celui de la version précédente, numérotait les fichiers d'une façon un peu bizarre. Donc je devais modifier un petit peu les noms. Et là, ça met vraiment le timecode à laquelle l'enregistrement a commencé pour chacune des parties de 9 minutes 30. Comme ça, en fait, je prends 6 parties et je les mets dans mon encodeur et puis ben vous avez un épisode quoi. Bien.